Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore nous régaler en réfléchissant sur notre pays, sur ce qui se passe dans notre pays et tout ce qui nous vivons et comment est-ce que nous réfléchissons sur des solutions qui pourront, je l'espère, sortir notre pays de cet marasme dans lequel, dans lequel nous sommes trempés. Et vraiment, c'était avec beaucoup de peine que je vous ai manqué dans nos numéros réflexion parce que c'est ici où se trouve la quintessence de nos paroles, où la valeur, où ce que nous voulons apporter comme message pour réveiller votre conscience de notre pays, où est-ce que nous allons, partout où nous sommes, pourquoi est-ce que nous ne voulons pas à ce que notre pays puisse avancer, ramener nos réflexions à un seul but, où tout le monde sera convaincu que la solution, c'est celle-ci. Et moi, je propose une solution. Je ne viens pas ici pour pérorer, juste pour que vous me voyez. Mais j'apporte quand même quelque chose que moi, je pense, pourra résoudre le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je suis d'abord très content de ce que vous êtes en train de faire comme apport pour cette émission, en vous abonnant. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, mes chers amis, prenez le temps justement de cliquer sur bouton d'abonnement où on vous dit abonnez-vous ici. Nous avons besoin de vos abonnements. Pourquoi nous voulons à ce que vous vous abonniez? C'est pour justement augmenter la visibilité de notre chaîne ou bien la visibilité de nos émissions lorsque nous les mettons. Nos émissions apportent un message patriotique, un message vraiment interne où nous pensons que c'est là où nous devons commencer pour que nous puissions bâtir notre pays. Ça ne viendra pas par des paroles, mais ça viendra par le travail. C'est ainsi que ce travail que nous le faisons délibérément, nous le faisons comme notre pierre pour la reconstruction de notre pays. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'introduction. Aujourd'hui, nous aurons à réfléchir sur un sujet qui est brûlant d'actualité. Et ce sujet-là va nous amener à encore aller fouiller où se trouve, qu'est-ce que le problème? Quel est le problème de notre pays? C'est quoi le problème? Parce que si nous ne connaissons pas le problème, il est difficile de trouver des solutions, mes chers amis. Et pourquoi j'ai fait ça? Vous avez lu dans le titre, Franck Diongo est au Rwanda dans son périple pour la recherche de la paix. Et ça a suscité remue-ménage à Kinshasa. Dans le camp du pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on parle de la trahison de certaines personnes qui vont chez nos ennemis. Alors, nous allons y aller dans cette émission Réflexion où nous allons parler qui est le réel ennemi de notre pays. Est-ce que nous connaissons le réel ennemi de notre pays? C'est qui ne veut pas assez que nous puissions développer notre pays. Nous allons en parler à long et à large dans cette émission. Vraiment, si vous êtes encore là et que vous aimez vraiment ce que vous voulez apporter votre pierre pour la bonne marche ou bien la consolidation de cette émission, abonnez-vous s'il vous plaît. Avant d'aller un peu plus loin, comme tous les jours, nous vous apportons le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite pour développer notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, le président Tshisekedi engage le gouvernement à intensifier les efforts diplomatiques. Le partenariat entre la RDC et l'Allemagne renforcé et puis Goma accrochage FARDC Ouazalendo, enfin l'armée se prononce. On va sur actualité.cd, économie RDC, le gouvernement alloue 223,1 millions de dollars pour relancer les projets d'infrastructure incluant Kinshasa Arena. Démarrage imminent de la paye des agents de fonctionnaires de l'État après une évaluation du comité de suivi. Et puis enfin, Massima Nimba, Yakoma, les dispositions prises par la CENI pour éviter les abus ayant conduit à l'annulation des élections.
Un Congo profond, RDC, le premier annuaire des fonctionnaires de l'État déjà entre les mains de Fatshi. Et puis les animateurs du secteur judiciaire réunis autour de Fatshi, Félix Tshisekedi. Boutembo vers la mise en ordre dans l'installation des dispositions de régulation de la route. 7 sur 7, présumé détournement de 5 millions de dollars, l'IGF demande à la DGM d'interdire à l'ex-ministre Antoine Kipulu et deux DG de quitter le pays dans une correspondance datée du 16 octobre. Et puis Félix Tshisekedi donne des orientations aux animateurs des secteurs judiciaires pour améliorer leur travail. Et enfin, extension de Kinshasa, Daniel Bumba, retour à la société China State Construction pour son expertise. On va terminer par Radio Okapi. RDC, le gouvernement affecte 160 millions de dollars pour un projet d'infrastructure. Le député Paulin Kaikai plaide pour le lancement de l'électricité de Kokobola à Kikwit. Kwango, plus de 100 Congolais refoulés de l'Angola vivent dans les conditions inhumaines à Chokoufoua. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, merci d'abord pour vos réactions que... sur l'émission que nous avions fait il y a deux jours, donc réaction, il était, je l'ai tourné un peu vite, vous allez vraiment m'excuser de la qualité des images. J'étais à Pretoria où je suis passé par l'ambassade et j'ai parlé de l'ambassade ici où je continue à encourager M. Bilele pour le travail qu'il est en train d'abattre à l'ambassade malgré toutes les difficultés qu'il y a là. Mais nous sentons qu'il y a de la bonne volonté. Donc, courage, félicitations. Essayez un peu de mettre de l'ordre. Je crois que vous avez suivi ce que nous vous avions parlé. Comment est-ce que vous pouvez alléger comment servir les Congolais vivant ici en Afrique du Sud. En tout cas, moi, je suis personnellement persuadé que, étant ici, malgré les difficultés qui sont là, vous pourrez quand même faire un grand travail et un travail qui représentera notre pays, la grandeur de notre pays. Alors, Bandeko, notre sujet va être basé sur la réaction de Kinshasa sur la visite de Franck Diongo au Rwanda. En tout cas, il y a eu beaucoup de tempêtes sur le réseau où on dit, voilà le traître, il est parti chez les ennemis, il est parti voir Kagame. Voilà, donc nous sommes encore en train de retourner sur ce qui a été toujours fait par ceux qui veulent renverser le pouvoir à Kinshasa, aller trouver le pouvoir ailleurs que dans le pays. Alors, beaucoup de questions me sont venues à la tête en disant, en regardant, en voyant tous ces sites, tout le monde qui discutait sur la venue ou bien la rencontre ou bien l'allée de Franck Diongo au Rwanda. Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé. Est-ce que Franck Diongo est avec l'AFC de Nanga? Chez notre consoeur Bibi Kapinga, il a expliqué, c'est une interview, mais moi je ne voudrais pas mettre ici. Moi je voudrais qu'on puisse réfléchir sur le fondement. C'est quoi au fait? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui ne fait pas que nous puissions être sur le rail du développement en République démocratique du Congo? Est-ce que ça dépend du Rwanda? Est-ce que ça dépend des Occidentaux? Est-ce que ça dépend des agents extérieurs au Congo? Moi, Germain Kaindo, moi je vous dis ce que je pense de la République démocratique du Congo. Et naturellement, le problème est en interne. Bandeko ba respecta kamutu oyaza ko se respecter. Si le pays, si l'Occident peut profiter de nos matériaux et nous piller systématiquement à travers d'autres agents, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas organisés. C'est par là qu'il faut commencer à penser. Aller au Rwanda, est-ce que c'est un problème? Le gouvernement congolais n'a jamais réussi ou bien n'a jamais pris de mesures à fermer l'ennemi qui est le Rwanda. Parfois, on nous dit que c'est le Rwanda, parfois on nous dit que c'est Kagame, parfois on nous dit que c'est Macron, parfois on nous dit que ce sont les États-Unis qui empêchent à ce que nous puissions nous développer. Moi, je crois que ça, c'est un faux fuyant, mes chers amis. C'est un faux fuyant.
Si le pays aujourd'hui ne marche pas, la première des personnes qu'on va commencer à voir, c'est le président de la République. Le président de la République, quelle est la politique qui peut être implémentée en ce que l'étranger, tout le monde qui vient au Congo et puisse nous respecter? Ça va d'abord, quelle est l'image que nous donnons à l'extérieur pour qu'on puisse nous respecter? C'est ça le grand problème que nous devons nous poser tout le temps. Bandeko, ce qui dans la cravate, dans la chemise à pembe, na sali boy, na bongisi image nangai, les gens vont voir d'abord l'image extérieure de notre pays. On ne peut pas soigner quelque part. Moi, je ne peux pas m'embellir comme ça et dans l'interne, je suis pourri. Mote manangai soki ezali malamu te ata na lati bilamba pembe ata batu ba oui respecter parce que ngana lati bilamba pembe. Nous ne pouvons pas aller commencer à construire des routes, à construire des bâtiments, des gratte-ciel, des villes et tout ceci pour ressembler aux autres. Nous ne le faisons pas pour les autres. Vous entendez souvent le peuple congolais dire que non, ah, Kinshasa est comme poteau. Ah, regardez comment on a bâti notre pays. Voilà les routes que nous sommes en train de construire. Et là, moi, je pense qu'on est toujours en train de taper à côté. Batouana, bakoma ki kuna pona ko bongisa biloko wana. Est-ce que ça batoumsou ne batongela bango? Est-ce que l'Europe a été construite par les États-Unis ou bien l'Angleterre ou bien quelque chose de chinois? Non, ça commence d'abord par l'intérieur. Nous devons nous mettre d'accord que ni nyango tozo salamala mouté na kati na biso ao. J'ai parlé dans ma dernière vidéo de l'irresponsabilité yaba dirigeant na biso. Moi j'ai suivi Patrick Muyaya tout le temps. Il ne s'est jamais assumé. La première ministre ne s'est jamais assumée. Nous trouvons toujours des faux fouillés en disant que non, voilà, on est en train de nous agresser à l'Est, on y a la guerre à l'Est, on a pas, ça nous a empêchés de faire tout ceci. Nous donnons toujours des raisons qui ne tiennent pas debout. Et c'est ça le grand problème. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de trouver le problème qu'il faut résoudre avant que Mama Kambwana Mususu eya. Nous ne pouvons pas être un pays qui n'est pas capable de se défendre et de défendre nos frontières. Nous ne pouvons pas toujours continuer à vivre à la merci des autres. Nous ne pouvons pas toujours dépendre de l'étranger. Likambo ya koloba que non pouvoir eutaka na Uganda, pouvoir eutaka na Rwanda, pouvoir esalaka boye. Même dans les fonds na bakati ya ba politiciens na biso ezala ancré. Et ce n'est pas commencé aujourd'hui, ça a commencé en 1960. Mais nous n'arrivons pas toujours à comprendre que le réel problème, c'est nous les Congolais. Bisonde mutu photo bongisa, Tommy bongisa, mitema na biso fonctionne normalement. Ce qui olati singa veste na lati perinani ya pembe puis na zobela na kati, ça se montrera, je veux mourir. Ataba lati singa, oh ezabilamba les villes, les routes, c'est ça, ce sont, moi je crois que ce sont les effets extérieurs que batuba bongisaka. Même si on dit en français que l'habit fait le moine. Non, l'habit ne fait pas le moine. Place wanande bandeko toza ko sala erreur moko ya ko sakanate. Nous sommes en train de connaître des erreurs et nous nous enfonçons toujours dans ces erreurs là au lieu de nous dire que non, voilà. Mboule beti na Kinshasa. Ça fait beaucoup de temps que mboule beta kana Kinshasa et msusu e bomaka batu tout ça. Mais nous n'avons jamais trouvé des solutions. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire fonctionner un pays dans les normes possibles. On peut parler de la démocratie, on peut parler du pouvoir, on peut parler de tout ça. Mais est-ce que ce pouvoir-là est capable de mettre les Congolais à l'aise? C'est ça les questions que nous devons nous poser. Moi, je ne peux pas être là en disant que non, et l'occasion a empêché la constitution. Oui, c'est peut-être vrai. Mais cette constitution-là, parce que constitution ezali boyokani, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, que je refermerai. Constitution ezali boyokani, yaba Congolais nyo sobatia ango na mukanda balobi, mokonzi oyo akoya kubulanda, akukamba biso, akolanda buku oyo. Mokonzi ango pe aye, akati seleka lobi, na kosalela oyo ba Congolais nyo sobatia ki na mobeko oyo.
Eza boyokani. Donc, babiloko otoko construire, babiloko nyonso toko lata, toko somba, toko salaboye, eza ko refléter l'intérieur, c'est-à-dire comment nous nous organisons pour que nous puissions faire marcher notre pays. C'est là le grand problème que nous, nous ne faisons pas attention. C'est la base qui déterminera la hauteur, la fondation plutôt qui déterminera la hauteur d'un édifice que nous sommes en train de construire. Nous construisons un grand Congo comme nous le chantons dans notre hymne national. Mais tu peux construire en gros sur base à la division T. Alors, la question me vient maintenant, où nous nous posons, l'ennemi c'est qui? Vous avez vu le président de la République se vétérer, se dire que non. Oh, l'ennemi c'est le Rwanda, l'ennemi c'est Kagame. Tantôt c'est Kagame et son gouvernement, tantôt c'est le Rwanda, tantôt on n'a pas fixé. Et à l'extérieur, les gens qui nous regardent en train de parler, ils comprennent que non. Batou Bazan n'a maillé l'été. Ce n'est pas le Rwanda qui nous a empêchés de construire nos pays, nos routes. Ce n'est pas le Rwanda qui nous a empêchés de payer les enseignants. Nous n'avons pas défendre le Rwanda. Mais l'ennemi, c'est qui finalement? Est-ce que vous avez dit que l'ennemi est Abisomoko? Nous n'avons jamais, jamais et jamais recherché la consolidation de notre pays. Totapaka toujours à côté. Même à Sand City. Parfois, nous disons que nos sans cités à la qui batumoko boe bakendaki kokabwana tout ça. Mais est-ce que nous avons-nous réfléchi à mettre tous les Congolais ensemble? Avons-nous réfléchi à savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas? Pour que légitimité on a ezala vraiment ya solo. Bandeko, à quoi bon va servir? Bino bazana na Congo, bozo yibambongo à Congo, bozo ko construire pas batumusu. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint cette maturité de comprendre effectivement où est le problème. Et moi, je peux vous dire ici, le problème se trouve où? Le problème se trouve en nous-mêmes. Il faut que nous puissions nous faire soigner. Et nous faire soigner, c'est d'aller directement à cette maladie de la division. Nous ne sommes pas unis pour que nous puissions travailler ensemble. Attends la Bible, la tour de Babel a été tombée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Batumion surtout va cacophonie Zalaki. Namakele le Togo Tongamboka Oyote. C'est impossible. C'est comme cela que moi je suis en train de vous ramener à la réflexion. Batou, oh, Bazako condamné, oh, Frank Diongo, commis traître. C'est vraiment la trahison. Akeri Rwanda, Nengenini, est-ce qu'il y a opposant, Aza Boye, tout ça. Moi je ne pense pas que c'est pas ça le problème. Oh, bah, agresseur, Nanga, Zui Minduki, tout ça. Wane utakanin, et utakana koswa na otozo na ngona katia mboka. Na koswa na wana tozako bungisa nzela ya kobungisa mboka na biso. Tanto bolobi ke no eza fote ya ba burgumestre baza kosala musala na bango mbongo te na malamu te. Ba burgumestre wana, quelles sont les capacités qu'ils ont ya kosala musala na kati ya ba burgumestre na ya banani na bango wana pona ba kire ba kanivo. Est-ce que les organisations que nous avons mis en place pour que Batouana, Basala Moussala, Bepa Bazala contrôler. L'État n'a biso ezako contrôlé te eloko mokote. Et ça, nous devons nous reconnaître. Tout reconnaître nanou mabe nabiso, et puis tout sangana ensemble à Koloba. Comment est-ce que nous pouvons résoudre ça? Eloko anande zako zanga biso ba Congolais, bande konangai, ti lelo oyo. Jusqu'aujourd'hui, chers amis, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé qui est l'ennemi du Congo. Toloba keza Occident. Batou e bele, bisom batou o tozapa atana libanda awa. Quelles ne sont pas les propositions qu'on apprend? Moutoumoko boazo a koyip sanga lobi. Non, Germain, il y a de l'or chez vous. Est-ce qu'on ne peut pas aller à exploiter de l'or là-bas et puis yopozui? Les propositions viennent chez tous les Congolais. Et les aventuriers qui risquent se disent, bon, on va se glisser dans le gouvernement, on va faire ceci, et puis baza koyiba misolo à l'État. Moi, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que Rwandais, nde bango mutuba, tonga kamboka na bango grâce aux minéraux du Congo,
Peut-être oui, peut-être non. Mais à qui la faute? Ndakuna biswe zapole, les moutounyo sotazo sa lelo ko alingi. Et les étrangers viennent, les chinois viennent. Bazoya koko sa kosabiso. Nous n'avons pas réussi à mettre les choses au clair et à koloba. Ordre zali boye. Quel est l'ordre que nous pourrons respecter? Quel est l'ordre que nous pourrons respecter pour que les autres aussi puissent nous respecter? Parce qu'aujourd'hui, les multinationales qui viennent, quelques Congolais ont organisé la rébellion. Est-ce que nous pouvons savoir combien est-ce que AFC Kuna Bazako yiba minere bazako teka ba minerona pour basomba ba minduki? Et cela va continuer. Ce qui AFC et Longoli Tshisekedi, si l'AFC ne vient pas avec un esprit révolutionnaire, qui sera autre que ce que les autres ont fait? Tokozonga kaka na même cycle. Tokozonga kaka ndengwana. Et donc, nous devons arrêter l'hémorragie. Ça devient trop bande konangai. Et pour ouvrir encore une autre parenthèse, comment vous pouvez dire que non? Bon, ça, je reviens à cette interview de Mama Simounia et Patrick Mouyaya. Lorsqu'on parle de l'emploi, est-ce que nous connaissons combien de chômeurs il y a dans notre pays pour que nous puissions dire que nous allons donner l'emploi aux Congolais? Est-ce que nous connaissons combien de chômeurs sont dans notre pays? Toyebanité, toyebitoza combien te, toyebi msala batumsu ba ministre basala kate, mutuna mutoza, il y a des députés qui s'infiltrent même dans les institutions, mutuna mutoya avlatika kailoko, vous avez vu le scandale. Quelqu'un qui se dit qu'il est député, et il vient siéger à l'hémicycle, et il prend des contacts à l'extérieur au nom du pays. Est-ce que nous pouvons dire vraiment que nous avons encore le contrôle de notre pays? Ça laisse à désirer. Et ce sont des scandales comme ça qui remontent l'incapacité de ce pouvoir actuel à gérer, à quadriller le pays. Babilo kwa mike wana nyoso, tango eza kobima, bozo mona batumsu bazwi minduki, bozo mona ba insécurité. Ça, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui nous prouve effectivement que l'État n'existe pas chez nous. Or, ce que nous devrions commencer à faire, et loko aliboso tolinga eto sala, mututa wazo ya ko pouvoir, restaurer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, za kotia ba militaire na balabala te. L'autorité de l'État, c'est-à-dire que il faut Congolais nyonso, l'État aye baye, a salaka nini, a zalaka wapi, a liaka nini, a lojaka nini. C'est l'État qui est notre parapluie. L'État doit nous contrôler. Et si l'État nous contrôle, ba makambwa ba rébellion et kosila. Si nous rétablissons vraiment likambwa l'État, ba rébellion et kosila. Mais l'ennemi maintenant, c'est qui? Parce que la question est toujours là. Ennemi est zanani. Ndenge naza ko expliquer bino awa boye. Je vous dis que l'ennemi, il n'est pas ailleurs. L'ennemi est au Congo. C'est tantôt les autres disent que l'ennemi, c'est Tshisekedi lui-même qui ne sait pas gérer notre pays, qui ne sait pas rétablir l'autorité de l'État. Est-ce qu'il est seul? Non, il est avec un clic de gens qui sont des incompétents, qui ne savent pas ce qu'ils font, qu'ils sont en train de faire. Même dans les entreprises publiques, les agents commencent à se dire que ils ne savent pas leur travail, ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire ici. Et le pays n'avance pas. On voit certains gouverneurs, ici je cite la gouverneure Mama là, du Lualaba, qui montre les constructions qu'elle est en train de faire dans sa province, qui montre les prouesses qu'elle est en train de faire. Oui, nous acceptons ça. Mais si elle mourait aujourd'hui, parce que nous pensons que c'est les hommes qui doivent faire. Oui, les hommes doivent être dans un système qui va fonctionner. Bakosala na kati ya système wana to mettre en place qui durera de génération en génération.
yango anande toko kendele. Tozana marche mon côté. Nous n'avons pas de fondation de notre pays. On peut aujourd'hui acclamer oh Fati Beton, Fati Beton. Mais après Fati Beton, qu'est-ce que nous resterons avec? Biloko tozako vivre ezako uta na ba mais gestion ya indépendance na biso. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet là bande konangai. Et moi toujours j'ai dit l'ennemi du Congo a commencé pas aujourd'hui mais l'ennemi du Congo commencé lorsque nous avions réclamé l'indépendance prématurément. Tozako kende tozo hérité babiloko na jusqu'à aujourd'hui et nous le peuple congolais nous batoua baza toza na pouvoir tozako linga e kende nango peka kandengwana. Je ne peux pas m'imaginer. Président de la République ayant, mais n'a pas contrôle sur certains des territoires de son pays, dire qu'il n'y a pas de problème en République démocratique du Congo. Et chercher des solutions, tantôt ce sont les autres. Vous allez investir dans un pays où on ne connaît même pas les statistiques de ce pays-là. Nos cartes d'identité, pratiquement, ne sont pas. Là, les Congolais ont une carte d'identité. Nous ne contrôlons, nous ne connaissons même pas le nombre des entreprises qui sont en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas au fait le contrôle de notre pays. C'est ça le grand problème. Et c'est là où moi je voudrais vous amener à réfléchir sur ça en disant il est grand temps à ce que nous puissions réfléchir sur une solution. Solution en Ngweza Nini. Parce que Togo Kendega Kokope Sakabino, par exemple, on a Zolo Bakeno, ce sont les exemples qui expriment, qui étalent nos insuffisances, nos incapacités de résoudre les problèmes que nous avons en République démocratique du Congo. Et tout le monde me pose toujours cette question-là.
Où est-ce que vous voulez en venir? Ozokende wapi? Solution ni nangozo proposer. Quand vous regardez sur toutes les émissions qui passent en République démocratique du Congo, peu ne va pas sa solution. Solution est à la canine. Ngai nde mtu na kobongisa. Ngai nde mtu na zana mbongo na kosale la bino boy. Ngai nde mtu na kosala boy. Ngai nde mtu na kosala boy. Il se concentre sur les personnes et non sur un système à mettre en place. C'est ça la différence avec Contact Pro Life. Moi, Contact Pro Life, je prône un système. Je ne prône pas les gens. Parce que les gens me posent la question. Yo za mtu a Katumbi, yo za mtu a Diongo, yo mtu za oza fasciste, oza mtu a IDP, ou bien mtu a nani. Et ils ne savent pas où me situer. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas pour les gens. Je ne travaille pas pour faire la publicité de quelqu'un. Non. Quand on parle de réformes en République démocratique du Congo, à quoi on pense? Même ceux qui ont dit que la constitution est allée, malamouté, photo changeango, quelle est la structure que nous pouvons mettre en place pour que les Congolais se sentent impliqués dans les textes qui devront être rédigés? Quels sont ces idéaux-là que nous mettons en exergue en disant voici ce que pensent les Congolais dans leur pays et comment est-ce que nous pouvons le mettre dans un texte qui chaque Congolais se reconnaîtra? Vous aviez vu le président dire que non, il va convoquer une commission pour réfléchir sur la nouvelle constitution qui devra être changée ou modifiée comme ça. Le président de la République, je crois qu'il n'est pas à sa place. Monsieur Chilombo n'est pas à sa place, excusez-moi. Nous devons penser les structures. Donc je disais que Bisso Awatopronaka, nous faisons la promotion d'une structure et ça, c'est la structure-là que nous appelons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Nous avions essayé le système présidentiel. Nous avons essayé le système parlementaire. Nous avons essayé le système semi-parlementaire que nous avons maintenant. Semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Qui tous ont échoué. Pourquoi ? La raison est celle-ci. Tous ces ne sont pas basés sur l'éthique congolais. Ils ne sont pas basés sur ce que disent les Congolais. Ils ont pensé que les Congolais pouvaient dire ça. Il faut faire parler le peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est les Congolais. Mais où trouver les Congolais? Les Congolais, vous allez les retrouver dans les territoires, dans les tribus de ces Congolais. Et la première des choses, la première des questions qu'il faut commencer à faire, à donner des réponses, combien de tribus sommes-nous en République démocratique du Congo? Où vivent les tribus? Qui sont les autorités de ces tribus-là? Et lorsque nous remettrons ce pouvoir-là à ces... nous reconnaîtrons ces tribus-là, nous pourrions maintenant les organiser en disant « Vous êtes responsables, vos responsabilités, voilà ce qui se passe. » C'est comme ça que nous prenons ici le schéma d'un nouveau système qui est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, afin que la base puisse avoir le mot et que ce système-là pourra perdurer. Parce que lorsque nous mettrons des bases solides, et c'est sur cette base-là que nous pourrons construire le pays. Les gens respecteront les structures qui sont en place, le peuple congolais se reconnaîtra, Balobi, Ngai Naza congolais, et je serai fier à ce qu'on puisse me distinguer du Rwandais, ou bien du Centrafricain, ou bien du Zambien. Mais aujourd'hui, qu'avons-nous de nos structures, de notre identité? Rétablissons d'abord l'identité des Congolais. C'est là le problème. Nous sommes en train de lutter contre l'identité congolaise et c'est ça qui nous cause problème. Parce que nous ne nous reconnaissons pas. Tokoma Kaka Muluba, Munyarwanda, Munyamulenge, Munande, tout ça. Mais quelle est la valeur de cette identité-là qui est naturel, que moi je suis Munande. Mais qu'est-ce qui me lie dans mon terre? Est-ce que chez les Munande, on me reconnaisse? Quels sont mes avantages que j'ai là-bas? On nous a amalgamés, on nous a mis dans une assiette où on veut nous mélanger tout ça. On nous dit que la modernité pourra le faire. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Les Kinande ne disparaîtra jamais. Les Chiluba ne disparaîtra jamais pour adopter une langue commune que tout le monde... Ça ne sera pas possible. Et qu'au Simba, t'es au Simba pété, mes chers amis.
Et donc, nous sommes dans un tournant où nous devons choisir où nous voulons continuer à ce que notre pays puisse aller dans ce désordre-là, où nous prenons conscience en nous disant nous devons lutter, nous devons nous mettre d'accord à mettre un système qui devra nous gérer tous. Et ce système-là devra être fait fonctionner par cet État-là que nous tous nous respecterons. Moi, quand un politicien pense dire que non, c'est moi qui ai les idées, c'est moi qui pourra faire ceci, à ce moment-là, je me dis que lui-même n'a pas compris. Mais si quelqu'un me dit, voilà comment est-ce que nous allons commencer à choisir un administrateur de territoire, quelles seront les attributions de cet administrateur de territoire? C'est un système que moi je me dis, rétrocédons donc le pouvoir au niveau de la base, afin qu'il y ait des structures, afin qu'il y ait un ordre établi, naturel. Quelqu'un m'a dit, non, il faut donner le pouvoir au chef coutumier. Non, je ne dis pas ça. C'est le contraire plutôt. J'ai dit qu'il faut placer l'autorité là, traditionnelle, à sa place pour qu'il puisse être un appui de l'État. Il faut que l'État puisse s'appuyer sur lui en disant, voilà, c'est toi qui, par exemple, me fourniront, qui sont ces Congolais, qui devront être identifiés. La place de ces autorités traditionnelles doit être clairement établie. Parce que nous sommes en train, la première des choses que nous sommes en train de faire, c'est de mettre la fondation d'une bonne fondation qui assurera notre cohésion nationale et notre unité nationale. Il faut que les Mounandes puissent savoir, je suis en République démocratique du Congo et voici les valeurs de ma terre et voici mon apport sur la réalisation sur le Congo. Nous sommes en train de réfléchir ici, mes chers amis. En tout cas, ce que l'Ingaka réflexion, abonnez-vous encore une fois de plus, car moi je ne fais que réfléchir comment est-ce que Togi Okoma n'a pas rétrocéder pouvoir et permettre Batuna Batu d'abord dans leur milieu local, Baye Banini Angot Bakosala. Tous ces projets de 145 territoires ont échoué. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas touché les quintessences du peuple dans leur intimité, où le peuple devrait se prendre en charge en disant « Oh, Ezambo Kanabiso, Moutoumoussoute, Moutouakoyako Tongayango. » Mais nous, dans nos têtes, nous pensons que nous appellerons les Chinois pour venir construire nos routes. C'est, nous appellerons les Chinois pour qu'ils puissent venir nous donner les téléphones et nous leur donnerons nos minéraux. Ils en profiteront à 1000%. C'est ainsi que nous sommes à la merci de tous nos voisins. Batunyo sobaza ko profiter na désordre na biso po batonga bamboka na bongo pour répondre à celui-là qui va poser la question en disant est-ce que le Rwanda n'est pas construit par le minerai du Congo? Non, le Rwanda est en avance dans la réflexion. Le Rwanda s'est organisé, la douane au Rwanda n'est pas comme celle du Congo. Un petit pays mais bazwa conscience à koloba que non. Voilà comment est-ce que nous allons nous constituer. Oh non, parce que Bango Bazaka ba tribu et Zaba tous ba colonisa Bango. Qu'importe, mais si les Rwandais se retrouvent et qu'il est en train de voir que le développement de son pays est en train d'aller de mieux en mieux et que son peuple est en train de vivre dans la quiétude, et Talibiso nani. Problème Nabiso et Zali et pas Nabiso. Problème Nabiso et Zali kokenda kwa assistaka, na ba réunion, na ba kosalabo. Et ainsi donc, moi je dis. Pèlerinage Oyo Frank Diongwaza Kokende Nango. Une chose est certaine que moi, ça a clinché à moi, c'est qu'il est en train de convaincre les autres, peut-être va soutenir pour va chasser Tshisekedi. Je dis ça entre guillemets. Je l'ai suivi chez Maman Kapinga. Il raconte, il dit qu'il est en train de voir tout ce beau monde-là. Pourquoi il le voit? Parce que c'est de là où même Chilombo part, en oubliant que la solution est en interne. Moi, je n'ai pas entendu parler d'un système que Frank Diongo est en train de promouvoir. Mais sinon,
il est en train de parler de l'unité, de la démocratie, tout ça. Mais c'est bien parlé. Mais comment vous allez le faire? La différence avec moi, c'est que moi, je donne un chemin qui rétrocédera justement le pouvoir, pas à une personne. Tokozala nanzambe moko te o fachi beton pendant que bababa aza koka ko organiser mboka te. Ayebi musala zo sala te, c'est ainsi que j'ai dit dans la dernière vidéo, il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Ce pays ne se construira pas par un homme. Ça, on ne construira pas par les djalelo ou bien en train de déifier quelqu'un, non. Ce pays se construira par le travail qui sera fait par les Congolais. Mais qui sont ces Congolais-là? La personne qui nous fera arriver à mettre d'accord, à donner une unité nationale, des consensus national où les gens s'entendront et qu'il y aura un système de consensus où on dira, bon, ok, nous allons faire tout comme ça et que tout le monde puisse suivre ça. C'est cet homme-là peut-être qui sera proclamé comme héros. Mais cet homme-là ne travaillera pas pour lui, il travaillera pour le peuple. Et vous allez le voir, ce sont des avatars, des gens rares. Qui arrivent peut-être après 50 ans. Vous allez le voir, nous sommes au point. Ces hommes-là sont parmi nous. Ne vous en faites pas. Ils sont parmi nous, peut-être dans les politiciens. Qui arriveront et qui voudront. Non, non, non. Il faut que le Mwami ait un mot à dire. Il faut que celui-là ait un mot à dire que moi je ne peux pas contredire. Mais aujourd'hui, nous voyons le gouvernement, le président, il est le même, il est le chef du gouvernement, il révoque tout le monde, tout ça. Les autres n'ont pas droit à réfléchir, on ne connaît pas. Donc, voilà l'ennemi, c'est nous. En conclusion, ce que je peux dire aujourd'hui, l'ennemi c'est nous-mêmes les Congolais. Et Zabisomo comme Congolais, ne mututosa ko linga ko réfléchir te. Nous ne voulons pas réfléchir, bande konangai. Condamner Frank Diongo d'aller au Rwanda, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et Zaka ba komba na bango bango mokokuna ba politiciens qui ne veulent pas réfléchir en disant que non. Si nous pouvons changer la constitution, parce que moi je me dis, c'est le but même de cette tranche lorsque nous la créions, lorsque nous commencions, c'était de trouver une unité nationale en faisant reconnaître les Congolais l'importance que c'est lui qui construira ce pays, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ceux qui sont unis et organisés, to yebi que non o esale makaboye o ekosale makaboye importance na ngopo esale maboye ezali po mboka mbongo ekota ba institution na biso e fonctionner malamu fonctionnaire afuta matu et que nous pouvons avoir un plan il y a réhabilitation il y a co-construire et ainsi de suite dans l'ordre sans que kimoyi biezala c'est là où nous tous nous voulons aller. On peut donc modifier cette constitution, on peut la changer, mais à une seule condition, que ce soit le peuple qui le fasse. Ce n'est pas à quelqu'un de se lever un matin en disant que non, nous allons changer la constitution, oh, nous allons faire ceci, ceci. Il y a un processus à mettre en place pour que Bisogno soto zalabomoko. Bisogno soto zalabomoko. Sans cela, nous sommes encore en train de baliverner, de tourner en rond, tozo komate. Sans cela, nous n'arriverons pas. Parce que tozo kumisaka kati fachi beton, fachi beton, fachi beton. Pendant que fachi beton n'a pas cette. N'a pas moto na yaza, aza na nanite, aza na capacité wanate. Qui nous gouverne, bazo salanini et le côté. Ataba lobi bazo salé loko boy. Tant que le peuple congolais ne s'impliquera pas, ne sera pas associé à la construction de ce pays, c'est pas les Chinois qui viendra nous donner du bonheur. Non. C'est nous-mêmes. Lorsque nous serons dans les institutions, ozokuta mutuna douana zo sala musala nae, ndenge batu mususu na ba pays musu basalaka. Mais les Congolais, chaque jour, quand il se lève, il va pour son ventre. Il ne va pas pour le pays.
Pourquoi? Parce que l'État n'existe pas. L'État ne s'occupe pas de sa personne. C'est lui-même qui doit s'occuper de sa personne. Et c'est ça la différence. Nabambo kamususo zoko kuta, mutuazo sala musala banda tongo tipo kwa. Et tant que nanda kwa kuta ako allié, l'État appelle ça qui est déjà makoki, afuta qui est, et toutes ces histoires-là. Donc, ils travaillent pour l'État, mais les gens travaillent pour eux-mêmes. Tope sakabatu misala, parce que misala, wanande bako sala ba mafia, bako luka mwae, ya kotia mbongo na libumu, mbongo na ba poche na bango, tout ça. Donc, mes chers amis, il faut absolument que nous puissions réfléchir. Et moi, je pense que la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, ça doit être un chemin et préparé. Nous parlons ici de la 4e République, Onde Nazosu Kisanango. Comment nous pouvons y parvenir? Y parvenir d'abord, c'est que Félix Tshisekedi, avec ses insuffisances, s'il peut comprendre que non, ce n'est pas lui le Dieu. Faites circuler l'idée de ce que tu vas faire. Et ce que tu vas faire, c'est de connaître d'abord les Congolais. Et là, on dit, « Bah, Congolais, faut pas y ébana. Baza wapi, bavanda kawapi. Ba autorité na bango, baza banani. » Parce que nous sommes regroupés en tribus. Et là, c'est ce que moi j'ai appelé les états des lieux de chaque territoire. En guise d'une préparation de la 4e République, appeler les états de lieu de chaque territoire, demander un consensus à ce que tous les tribus soient bayokana. Et puis, dans ces états de lieu, ils vont réfléchir à deux choses. Une nouvelle constitution. Ils vont réfléchir sur quoi? Sur l'identification de la population et la paix qui doit régner dans les territoires. Comment est-ce qu'ils vont se prendre en charge? Et cela est couché dans une proposition d'une nouvelle constitution. Chaque territoire, il s'organise dans chaque tribu, il y a moyen, j'explique ça dans l'émission « À qui la faute ?» chaque samedi en direct. Voilà le chemin que moi je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour que le samedi vous ne puissiez pas manquer tout ce comment j'explique le chemin. Et donc là, moi je vais m'arrêter là. En vous demandant encore une fois de plus, parce que Tozana, si tu as commis déjà un temps limité, il y a réflexion, et donc si vous êtes intéressé à connaître des marches, même Félix Tshisekedi peut implémenter ça dans la insuffisance, mais il suffit à Longolaka na mutu que non, le problème vient du Congolais. Comment aborder l'opposition, comment mettre les courants politiques ensemble pour dire que non, nous préparons la 4e République, démarche Tokosala Ndengeni. Là, nous en parlons dans notre prochaine émission. C'est pour cela que je vous dis, cochez aussi sur la note de notification pour que vous perdre Bakour Didet, vous perdre Nanité. Lorsque je mets la vidéo, la suite de cette émission, Ndengetozo Kende, Okoyeba, et à ce moment-là, tu pourras savoir pourquoi est-ce que nous nous sommes engagés pour... Pierre Nabisso à reconstruction Nanda Yambo Kanabisso. Voilà. Mes chers amis, je vous remercie, vous qui êtes arrivés à me suivre jusque-là. Et donc, apport Nabino et Zaliba abonnement Nanga. Nabino, ceux qui vont s'abonner. Il y a des gens qui m'envoient un peu d'argent, il y a airtime, tout ça, c'est bien beau. Qui d'un caméra, va trois ans pour sa pote émission. Mais il y a Moutou Yamingi. Beaucoup de gens qui font ça. Ils ne sont même pas abonnés. Or, c'est l'abonnement qui est vraiment le plus important pour et sustain Bisso Poto Kende Mbuliboso. Émission à Bisso Ethique à la cause à l'émission à Baylit, mais à l'émission maintenant d'ensemble où cette idée pourra être implémentée et qu'on réveille conscience Nabino. Merci donc. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.